Autre information, le premier congrès al-Munichi de la chaire à UNESCO s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La chaire UNESCO pour la culture de la paix, il faut le rappeler, fonctionne autour de la formation, de la recherche et des échanges. Cet événement commémore les 25 ans de la culture de la paix menée par l'UNESCO. Eric Goré, Serge Collia. Pour prévenir les conflits, l'UNESCO a entamé un vaste programme de création de chaires en vue d'instituer de manière durable des centres d'excellence. Le siège de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, situé dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, se décline sous l'angle de la formation, de la recherche et des actions sur le terrain pour la promotion de la culture de la paix. Pour les 25 ans de cette institution, les anciens étudiants se sont retrouvés autour de leur marraine Denise Houphouët-Boigny, ambassadeur délégué permanent de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO et fille du feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Elle a invité ses anciens étudiants à multiplier leurs actions en faveur de la paix. L'éducation ne doit pas servir seulement à la réussite sociale et professionnelle, elle doit être la voie pour la liberté et la paix. Pour le représentant du directeur de la chaire UNESCO, les réseaux universitaires sont des instruments importants dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous avons fait la relation entre le concept de la culture et de la paix qui est né à Yamoussoukro en 1989 et puis la commémoration de la journée internationale de la paix qui se fait tous les 21 septembre. Et le fait que l'université de Côte d'Ivoire, après l'université de Cocody, est devenue l'université Félix Houphouët-Boigny. Or, le nom du président Félix Houphouët-Boigny rime avec culture de la paix. Au plan mondial, ce sont plus de 700 chaires UNESCO qui interviennent dans divers domaines.